ne demande que quelque chose. Et non, mais parce qu'en réalité, s'il est ton berger, il doit pourvoir tes besoins. Dis amen. Parce qu'il même dit, il n'est pas inquiété. Donc c'est une déclaration de foi matérielle. Tu es mon berger. Et je ne manque de rien. Quand tu finis, amen. D'abord, je vais vous donner un secret. Quand tu te lèves de ton lit, mets ta main sur ta tête, tu dis je suis riche. Et ça, nous, la hein? Non, peu importe la main que tu veux, mais là. C'est ça que quand quelqu'un. Les gens viennent prendre le pouvoir de la droite, on n'a jamais la gauche. Mais c'est la droite qui a le pouvoir. Quand on avait ce pouvoir, on a dit ceux qui sont à la tête, on appelle toujours la droite. Amen. Je suis riche. Amen. Tu peux commencer à rêver. Le mec de prendre la main, il est dans ma délai pour. Non. Il faut rêver. Dis-toi que. Tu vas un jour te marier avec. Pas un mari qui va te jeter. Oui, moi, je veux que mon nom. Mais Marie va te dire chérie. Ah, moi, je t'aime. Et moi, non, moi, tu es mon amour. Je t'aime. Amen. Rares sont les hommes qui disent ça aujourd'hui. C'est des sorciers. Un bon foyer. Qui rentre au ciel. Ami, d'accord. Je vous dis la vérité. Et ça, si tu as raté le foyer. Et comme n'importe quoi. Tu as raté le ciel. Et là, d'accord. Parce que chagrin va te tuer. Qui est derrière moi? Alléluia. Qui est derrière moi? Alléluia. Quand quelqu'un Dieu a béni là, c'est ce qu'il vit dans le foyer. C'est tout? C'est pour ça qu'il y a une bonne femme avant un bon mari. Amen. Bon matin, tu fais des déclarations. Allez, ce que tu veux être là dépend de toi. Proclame les choses sur toi. Amen. Après d'avoir déclaré ça, tu commences comme il dit. Quand tu parles à la journée. Tu dis, aujourd'hui c'est lundi. Lundi 24, c'est ça non? Lundi 24, porte la journée de lundi. Pour toi, élève Pelento, moi crasso. Je fais mon entrée. Avec Jésus. Tout ce qui a été fait. Est annulé au nom de Jésus. Journée. Je te possède. Tu es pour moi. Et la main, oui. Une journée de paix. Au nom de Jésus. C'est, fini, oui. C'est fini. Tu as possédé la journée. Il a dit, le malheur, si ça vient, ça va ailleurs. Parce que toi, tu as déjà possédé la journée. Moi, la journée, journée se possède. Dis-moi, qui est d'après moi? Il faut la posséder. Amen. Amen. Parce qu'on m'a bien saisi. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. C'est bien saisi. Amen. Vous ne pouvez plus commettre des erreurs. Amen. Tout est entre vous-même. Je vais parler du pouvoir. Mon exaltation, c'est le pouvoir. Prenez Luc 10, verset 19. Alors, Luc, pourquoi pas, c'est le point de nous. Luc 10, verset 19. Pourquoi c'est le point de nous. Luc, pourquoi c'est le point de nous. Luc 19, 19. Oui, alors. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Voici, je vais. Voilà, on attend le Seigneur. Merci, tout à fait. C'est ça que la parole de la pouvoir touché. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Non. Ah, il n'a pas dit que vous avez le pouvoir pour s'asseoir. Hein? Le pouvoir, on exerce le pouvoir de marcher sur les serpents. Le diable est symbolisé par le serpent. Combat le serpent. C'est le diable dans la vie. Les scorpions, ce sont les œufs du diable. Et vous avez reçu toute la puissance de Satan. Dans le basilic, rien ne pourra. Il n'a pas le mot. Amen. Rien ne pourra vous. C'est pas un salon. Qui a le pouvoir? Amen, ça c'est vraiment important. Quand on reconnaît qu'on a le pouvoir, d'abord dans un premier chose, dans une théorie, prenez Jean le chapitre 1, le verset 12. Alors Jean le poisson. Jean le poisson. Jean le poisson.
aimez la parole. Mais avec courage. Qui a quelqu'un aime la parole de Dieu? Vous dormez. Bien gros. Mais avec courage. L'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12, oui, allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Oui, allons-y. Oui, le verset en bas. Lesquels sont nés? Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. La chair. Ni de la volonté de l'homme. Mm-hmm. Mais de Dieu. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Et bien dans le passage de Jean, le chapitre 1. Ah oui, j'ai enlevé la main. Et d'ailleurs, tous les livres de Jean, l'évangile de Jean, met l'accent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean, il est pas le pouvoir. Si le diable, le pouvoir, il faut être convaincu qu'on est enfant de Dieu. D'abord, qu'on a reçu Jésus-Christ. C'est quand on reçoit Jésus-Christ qu'il nous donne le pouvoir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas d'une volonté humaine. Elle n'est pas une volonté humaine. Mais de Dieu, ça vient de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a choisi. Dieu, il a voulu que tu puisses croire en Jésus. Alors si tu as cru en Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur le diable. Qui a cru en Jésus? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites croire que vous avez cru en Jésus? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as cru en Jésus? Zéro problème et vraiment je lui dis. Je vais pas continuer. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as cru? Il est malade. Comment? Tu sais que tu as reçu Jésus. Ça, ce sont les œufs de Jésus dans ta vie. Amen. Jésus a fait. Comment tu l'as reçu? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Amen. Quand tu l'as reçu, c'est deux choses différentes. Amen. Comment tu l'as reçu? Qu'est-ce qui fait que tu as reçu Jésus? Oui, derrière. Mia, c'est pas là que tu cherches. Jésus va te réveiller. Tu n'as pas le temps, toi. Il faut te réveiller, seul. Jésus va le faire. Je crois en Jésus. Lorsque le premier jour j'ai entendu la parole, le message du prophète, Comment? Je veux même pas que mon nom sorte dedans. Comment tu as reçu Jésus? Non. Dieu bénisse. Ça, c'est les témoignages que vous voulez rendre. Tu ne m'as pas les témoignages. Qu'est-ce qui prouve que tu l'as? Il n'est pas normal. Mon carré, je dis là. J'ai pas mon carré, je dis. Amen. On acclame le Seigneur. Allez, au poupou, viens, Jamy. Je vous prie, pardonnez. Ne fatiguez pas. Partez à Jamy. C'est quand tu as accepté la parole. Et quand même par le monde. Que tu as accepté Jésus. Dis amen, j'ai dit moi. C'est clair dans le passage. Et les deux. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen, le pari. Tu as donné le pouvoir de venir enfant de Dieu. Amen, le jour où tu as accepté la parole de Dieu. Tu viens enfant de Dieu. Dis amen. Amen. C'est tout. Mais d'abord. Même si tu es encore sorcier.
Non, c'est quand j'ai laissé les choses, non. Le jour où tu as entendu la parole, que tu as reçu cette parole, Jésus est rentré dans ta vie. Dis amen. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas quand tu as laissé la prostitution. C'est pas quand tu as laissé le vol. Ça fait partie. Mais non, c'est le jour où tu as accepté Jésus. Ce jour est rentré dans ta vie. Amen. Regardez Zaché. Jésus allait à Jéricho. Il allait chez Zaché. Il est rentré chez Zaché. Il a dit à Zaché. Le salut est entré chez toi. Zaché a dit, hé Dieu, maintenant je me réponds. Je vais l'embousser. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, lui-même, la possibilité d'abandonner le péché. Vous m'avez saisi? Lui te donne la possibilité d'abandonner le péché. Si tu ne peux pas avec lui, tu es à l'aise dans le péché. C'est quand il est bon. D'après moi. Amen. 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 C'est que il rentre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il rentre dans ta vie. Amen. C'est lui qui te dit, hé. Voilà. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Amen. Il va te donner une conscience. Éclairer ta conscience. Amen. Avant, tu mentais. Amen. Tu te disais. Amen. Mais le jour où tu vas commencer à l'accepter. Quand tu regrettes. Quand tu vas commencer à voler. Amen. Tu vas commencer à regretter. Quand tu vas même insulter mal. Ça veut dire que Jésus est compris. Amen. C'est que tu es normal avant. Amen. Tu vas maintenant être dégoût de ça. Ça veut dire que lui, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand l'enfant de Dieu cherche à plaire à notre papa, plus tu paieras Dieu, plus tu ouvriras les grandes portes. Parce que Dieu ne bénit pas les portes. Amen. 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 Ça c'est clair. Amen. On est d'accord? Allez-vous. Amen. Amen. Donc si on reçoit Jésus-Christ, il donne le pouvoir sur les ténèbres. Tu l'as reçu, amen. Il faut être convaincu que tu es enfant de Dieu. Alors si tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, ton rôle sur cette terre, c'est de détruire les œuvres du diable. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Mais oui. Mais Marc 16, verset 16. Tout chrétien va chasser un démon. Oh, gagne pas, on était petit. Tu es d'après moi. Oh, Christ, on était petit. Marc 16, verset 17. Marquez, promesse, on va vivre. C'est le même. Quand il me lève matin, il cherche les démons. Il dit, mais démons, où est-ce que tu es chassé? Moi, il cherche les démons matin. Amen. J'ai envie de les goûter. Et moi, j'en garde. Bon, c'est là. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront. Très bien. Ceux qui auront cru. Oh, j'aime cette parole. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, allons-y, le verset 18. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils reposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que Dieu te bénisse. Regardez les exercices. Amen. Bon, on dit voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Je dis, mais si tu as cru en Jésus, les gars, il y a des miracles. Faut toi t'accompagner. Quel est le miracle? Allez, il y a des miracles. Chasser un démon, c'est un miracle.
qu'il avait mangé. Regardez le nom qui est Dieu. Dis-moi, c'est pas notre camarade. Dembe, aïe, 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 Et ceux qui croyons, ah, non, 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 non. Et ils chasseront les. Ouais, mais tu me dis. Elle dit si tu n'as pas cru en Jésus, va chasser un démon. Alors, si tu chasses pas un démon, c'est que tu n'as pas cru en Jésus. Et pourquoi lui, je dis non, non, non. Ouais, mais c'est ça. Nous, les démons, on les respecte. Toi, tu respectes les démons. C'est que tu es avec le démon. C'est que tu es avec le démon. Si tu le déranges, si tu es avec le démon. Nous les démons et moi je les chasse. Amen. 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 Je les chasse. Il dit à mon nom ils chasseront. Amen. Les démons. Qui? Pourquoi? Il est là. Pourquoi? Il est là. Je vous explique. Parce que la présence d'un démon. C'est un danger pour le quartier. C'est un danger pour le village. C'est un danger pour la nation. Tu ne le chasses pas. Et t'as dit. Il est en train de détruire. Amen. Amen. Donc Dieu t'a choisi. En tant que son fils. Non, il les chasse. Et toi, tu les regardes. C'est le démon qui a été. Et bien, mon âme. Oui. Il dit voici les miracles en compagnon. Ah, il y a une des rêves. Ah non. Les chasseurs. Les démons. Toi, tu ne les chasses pas. Les mots qui toi, les camarades. Et bien, moi, non, 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 vous savez les démons, vous savez les démons. Démons, moi, je les chasse. Avec qui est bien, moi. Je les cherche, même ma torche. Et moi, dans la torche, je les chasse. Donc quand tu es l'enfant de Dieu, tu vas chasser. Et la qui t'es bleu. Tu s'en fous des noms. La grande non. Tu as cru en aujourd'hui. Et là, je vais le noël. Tu être à mesure. Et quand même, vous êtes chassé. Et quand vous êtes le qui. Il vient et te dérange un peu. Aïe, non, mais Dieu, ne parle pas. Il te parle, parle. Oh, bah, par exemple, c'est qui en toi. Avec moi, c'est trop puissant. Et quand tu es bleu. Dieu, amen. C'est trop puissant. Et quand tu es dit. Ne jouez pas avec les démons. Chassez-les. À qui, non? Amen. Amen. Vous avez parlé des démons? Aïe, vous connaissez la signification des démons? Aïe, vous les connaissez? Aïe, je vous donne la définition. Aïe, c'est-à-dire les détruits qui détruisent les démolisseurs. Un quatre. Aïe, t'as eu, vous t'avez Et puis toi, tu ne les chasses pas. Non, mais qui ne les pas gâter. Ne les pas gâter. Bon, gâter. Aïe, vous t'avez. C'est pour ça que Jésus dit. Oui, je viens. Croyez-moi mon nom. Ouais, non, les chassez-vous les démons. La sorcellerie était démon. Devez chasser la gâtée. Je vous explique l'histoire des démons. Ils ont pour patron Satan. Satan, c'est son nom propre. Si tu vois ton nom, monsieur, ton passeport, tu vas Satan là-dessus. Amen. Monsieur, viens. Il appelle Satan. Son jugement est à Satan là-dessus. Allez, et vous mais avant, il s'appelait Lucifer. Voilà, on va vous Lucifer. Lucifer qui veut dire l'ange de lumière. Attends, non, on ne devrait pas dire. Si vous chassez un démon, là, le démon qui dit. Un corps. Pourquoi le démon? Et puis, je suis Lucifer. Là, Lucifer. Il lui qui ment. Il y a Yotou. Il ment. Yotou. Lucifer, il n'est plus Lucifer. Ah, il dit cela. Parce que Lucifer est l'ange. Donc, il n'est pas Lucifer. Il ne peut pas être Lucifer. Au moins, tu chasses le démon. Et puis, il dit, je suis Satan. Tu dis, ah, Satan. Parce que Satan ne peut pas posséder un corps. Alors, il est comme amen. Mais par moment, il peut venir pour des heures. Satan dit une heure. Si la tour durée dans un corps, c'est une heure. On dit Satan entra en Judas. Et Jésus est allé livrer Jésus. On n'a pas Jésus. Satan est parti. Amen. Satan vient pour des grandes missions. Allez, regarde, quand on fait délivrer, il dit je suis Satan, dit le démon. On connaît, mais pas Satan. Il y a un autre problème. Il ne peut pas être Satan. Il est beaucoup. Vous voyez quand
Son histoire. Prenez Apocalypse 12, le verset 5. Très bien. Quand tu vas commencer à chasser les démons, ils vont commencer à te laisser tranquille. On est parti, dis amen.